Bonjour, donc je suis Maryse Roger, je suis présidente de l'association Ouvrir les yeux. Nous luttons contre les neuropathies optiques héréditaires, des maladies qui provoquent une cécité brutale en majorité chez des jeunes gens. En fait, la Fondation Groupama pour la santé est présente et elle a décidé de se mobiliser pour financer la recherche. Et donc l'association Ouvrir les yeux a été choisie à ce titre, ce dont on les remercie évidemment du fond du cœur, parce que grâce à eux, une recherche prévue par le docteur Orso à base d'un médicament qui combat le cholestérol va pouvoir être testée sur les pathologies contre lesquelles on lutte. Alors, la Fondation Groupama pour la santé combat les maladies rares. Nous sommes adhérents à l'Alliance Maladies Rares et donc de ce fait, il y a vraiment un cousinage d'évidence puisque ces maladies, comme les neuropathies optiques héréditaires, sont des maladies qui sont peu répertoriées en France. Et donc, grâce à la Fondation Groupama pour la santé, nous avons la chance d'être mis en lumière et de bénéficier de leur investissement parce que c'est beaucoup de bénévoles qui sont là aujourd'hui pour soutenir les actions, qui seront là également dimanche pour les marches dans le Pas-de-Calais, en Bretagne aussi. Donc vous voyez, c'est tout un réseau de collaborateurs qui s'investissent et qui se mobilisent dans ces actions. J'aime pas le sport, mais là c'est pour la bonne cause. Hein. Un peu de son temps pour l'association, par l'intermédiaire de Groupama. Au niveau de des ateliers de la senteur, c'est pas évident. Au niveau de l'atelier de la canne blanche, je me suis aperçu que c'est assez difficile. Hein. Si on peut retrouver la vue par des dons et de la recherche, je pense que c'est intéressant. Est-ce que vous auriez quelques mots de soutien pour des personnes atteintes de neuropathie optique héréditaire? Il faut toujours y croire. Il y a du temps à passer, à consacrer à la recherche, à trouver les remèdes. Je pense que rien n'est perdu, tout est à faire encore. Hein, Saveur en or est aujourd'hui une association qui a 10 ans, qui représente 8 filières agroalimentaires en Nord-Pas-de-Calais. Ça représente également 800 produits agréés, donc des produits de qualité qui ont subi des tests de dégustation à l'Adrianor, à Tilloy-les-Mauplaines. De nombreuses filières agricoles peuvent être maintenues et soutenues grâce au logo Saveur en or. C'est vrai que nous sommes sensibles aussi aux actions menées par l'association Ouvrir les yeux, puisque on sait, je ne suis pas une spécialiste, mais j'imagine que l'on développe davantage de sens lorsque on est déficient visuel. Ça permet donc d'apporter vraiment notre soutien à des œuvres comme celle de Madame Roger. Voilà. Donc, je suis président de la fédération Groupama pour le Pas-de-Calais. Je suis président d'un département où il y a 138 caisses locales, où il y a plus de 1000 élus, 1300 élus plus exactement, qui sont sur notre territoire et qui sont donc très proches des sociétaires. Hein. Groupama est tout d'abord une mutuelle, avec des valeurs, les valeurs de solidarité, les valeurs de transparence, les valeurs de proximité vis-à-vis de ces sociétaires. Et donc on est organisé en caisse locale tout d'abord, en fédération départementale et ensuite en caisse régionale avant d'arriver à une fédération nationale. Il a été créé une fondation Groupama pour la santé. Ça c'était en 2000, à l'occasion du centenaire de Groupama. Vous voyez,
c'est quand même une vieille mutuelle, hein, Groupama. Donc à l'occasion de ce centenaire, donc, il a été créé cette fondation Groupama pour la santé, qui avait pour but d'aider toutes les associations maladies rares, hein, notamment partenaires qui étaient Alliance Maladies Rares, hein, dont fait partie bien sûr votre association Ouvrir les Yeux. Donc nous organisons tous les ans des marches donc, au profit d'une association Alliance Maladies Rares. Et cette année, on a donc décidé d'accompagner votre association donc, Ouvrir les Yeux, qui bien sûr fait partie du réseau Alliance Maladies Rares. Et ça nous fait plaisir aujourd'hui de travailler, d'essayer de vous aider, bien sûr, à la fois financièrement à travers les dons qui pourront être faits à cette occasion, et puis aussi vous aider à communiquer sur votre association, parce que c'est aussi important aussi pour les alliances maladies rares donc, de pouvoir communiquer. Sachant qu'on a encore 2 jours ici sur Terre en fait, et parallèlement, donc dimanche prochain, on aura encore 2 marches qui seront organisées sur le département, donc à Colombert et à Belleval.